Bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec Unti00, il est 17h19 et il fait un grand soleil, les oiseaux gazouillent sur les branches et les voitures font un bruit insupportable en passant en bas de ma rue, c'est terrible, bref. Vous êtes ici pour une nouvelle vidéo Minecraft, que je vais faire je ne sais pas en combien de vidéos, peut-être une, peut-être plusieurs, on verra bien. Et je vais suivre l'idée de TheMax du 08, big up à lui. Et tenter de construire un château fort. Bon, il va être peut-être déçu parce qu'il me parlait d'un grand château fort. Cependant, je ne me sens pas d'humeur à entreprendre des travaux d'une taille gargantuesque. Non. Je pense faire un petit château sympa, disons un château de plaisance. Un château fort, donc. Si les travaux n'ont pas commencé, je commence cette vidéo juste avec l'idée. J'ai juste défini la taille de mon château. Bon, ça c'est rien, ça c'est mon abri très provisoire et ridiculement petit. Rudimentaire, voilà le mot que je cherchais. On se retrouve après une courte interruption. Suite à un petit incident chez moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça va. Et donc, je finissais de vous expliquer mon projet de petit château. Excusez-moi, en même temps, je suis le tennis, parce qu'il y a d'autres préoccupations dans la vie que Minecraft aussi. C'est Roland-Garros. Donc, la nuit tombe. Je voulais donc... Qu'est-ce que je disais, je sais plus. Oui, donc, le château va faire environ cette taille-là. Pour l'instant, j'ai délimité la taille. Donc, les 4 coins, ce sera les 4 carrés ici. Donc, ce sera un petit château, bon, pas minuscule, hein, mais quand même pas gigantesque, et d'une taille, disons, sympathique. Ah, on va voir si ça marche quand même. J'ai mis du. Waouh, je me réveille en dehors de la maison, c'est puissant. Bref. Je comptais donc faire. Les 4 coins du château, vous remarquez que c'est pas vraiment régulier, mais c'est fait exprès en fait. Le château il sera un peu plus large devant que derrière. Donc ça ce serait les 4 tours qu'il y a aux 4 coins des châteaux. Donc celle-là ce serait une grosse tour, de 4 d'espace à l'intérieur. La même ici, pour un minimum de symétrie. Voilà. Dans laquelle on pourra monter. Et à l'arrière des petites tours, qui font 1 de large, et dans laquelle on pourra monter aussi. Mais ce sera bon, c'est des petites tours à l'arrière du château. Le château sera relié donc par normalement, c'est normal, un mur qui relie les quatre coins. L'intérieur, je sais absolument pas encore comment je vais l'aménager, mais avec un peu de chance, j'aurai des idées. Et puis je compte aussi, je sais pas comment je vais me débrouiller, mais bon sur les côtés ça ira. Soit bon, il y a un côté où c'est du vide. Il faudra que je ménage encore un peu le vide. Hop, ici. Ouais, bon, ça va, en fait. Ici, creuser un peu pour que ça fasse vraiment vide, parce qu'un château, c'est souvent sur une colline ou au-dessus d'une montagne. Et peut-être faire des douves, des petites douves à l'entrée, je sais pas, avec un ersatz de pont-levis, parce que bon, il n'y a pas de pont-levis mobile dans Minecraft. Mais on essaiera de faire un petit truc sympa. Et donc, voilà, mon petit projet que je viens de débuter. N'hésitez pas à premièrement m'ajouter sur Twitter, je vous remets l'adresse. Et puis deuxièmement à me donner d'autres idées comme celle du château fort. Parce que j'apprécie d'avoir des opinions sur ce qui pourrait être sympa à construire dans Minecraft. Si vous avez aussi, pas forcément des constructions, si vous avez des idées de design, de design d'intérieur ou d'extérieur, ou des fonctionnements de machines créatrices, bon, de je sais plus si je montrais dans une vidéo l'usine à Obsidian, je l'ai créée sur mon sur la map, elle est un peu plus loin là-bas dans la brume, environ près du bateau. Je sais plus si je voulais montrer, mais en tout cas elle existe. Mais c'est pas mon œuvre. Je l'ai reproduite à partir d'une vidéo, donc ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, si vous avez des idées quelconques, hein, lâchez-vous, proposez-moi, et si ça me plaît pas, ben je ne ferai pas, c'est tout.
ou si c'est impossible, ou trop dur, ou pas envie, juste voilà, bref. N'hésitez pas, déchaînez-vous, écrivez-moi, et à bientôt pour la suite du Château Fort. Intimité sur le cours Suzanne Lenglen, bercé encore par le soleil du soir. 19 coups le dernier échange.